السلام عليكم. إذا عند زول هذه الحصة إن شاء الله الأخير أخير درس إحصاء يعني ستاتيستيك. دونك هنا في الدرس كاين واحد المجموعة ديال المصطلحات كيفو كومبروندر. سي سا البروبليم اللي تيكون في هذا الدرس، ولكن هو درس سهل ماشي شي حاجه صعيبه. دونك اون باس جو دون دي زيكزامبل اي بارفوا دي ديفينيسيون بارفوا دي فوكابولير كوم سا. دونك اون سيري ستاتستيك سي ديفيني افيك اون بوبولاسيون اي ان كاركتير. دونك هنا في هذه الجمله الان كاين سيري كاين بوبولاسيون كاين كاركتيرستيك. هاد تروا شوز خصنا خصك تضبطها مزيان. دابا غادي نشوفو لا بوبولاسيون وغادي نعطي دي زيكزامبل بور سا. لا بوبولاسيون اي لونسومبل دي انديفيدو او مجموعة من الافراد بالعربية او وحدات إحصائية أو في الفرنسية des unités statistiques. Donc c'est l'ensemble des unités statistiques ou bien l'ensemble des individus. Le caractère et la qualité étudiée chez les individus. Ce caractère, il peut être deux choses, peut être qualitatif ou bien quantitatif. Qualitatif, ça veut dire ce n'est pas un nombre. Quantitatif, c'est un nombre. Par exemple, on a été comme des exemples quantitatifs. Par exemple, les jours de la semaine, jeudi, lundi, mardi, etc. Ce ne sont pas des nombres. Par exemple, les couleurs. Par exemple, le sexe. Féminin, masculin. Ce ne sont pas des nombres. Ces valeurs, ce sont féminin, masculin, etc. Donc, quantitatif, par exemple, l'âge. L'âge, c'est un nombre. L'altitude, c'est un nombre. La mesure, ou bien la surface d'un carré, c'est un nombre. Donc, on va donner des exemples. Voici un exemple. Dans une classe, on relève les notes à un devoir. Par exemple, vous avez un devoir dans la classe. Vous avez tous des notes. La population, c'est quoi? C'est les copies du devoir. Ou bien l'ensemble des élèves. Le caractère, c'est quoi? Ce sont les notes du devoir. Donc ici, la note, c'est un nombre. Donc c'est un quantitatif, comme vous le voyez ici. Quantitatif, c'est un caractère quantitatif qu'on a dit ici, qui peut prendre un nombre. La couleur des yeux des employés d'une entreprise. La couleur des yeux. Donc ici, la population, c'est les employés, le roumain, fille, شركة ولا ما عرفت شركة مثلا ولا في كذا العمال، عدد العمال اللي تيتوجدوا في شي شركة مثلا. العمال هذوك العمال هما بغينا نشوفوا لور كولور دو لور زيو. كاين اللي غيكون عنده بلو، كاين اللي غيكون عنده مارون اكسيتيرا. سي فالور. دونك سي لا بوبولاسيون سو سون لي امبلويي. لو كاركتير سي لا كولور دي زيو. سي فالور سا بو اتر مثلا بلو marron, noir, la couleur des yeux. Une série. Maintenant, on va voir une série.
Qu'est-ce que ça veut dire? Une série peut s'écrire sous forme trois formes. Soit on donne la liste, ou bien un tableau, ou bien un graphe. Ces trois choses, tu vas les faire dans tous les cours. Tu vas les faire dans tous les listes, ou tu vas demander un tableau, ou tu vas le graphe, ou tu vas demander un tableau, ou tu vas donner un tableau, ou tu vas demander des questions. Donc, on va prendre un exemple. On interroge 25 élèves d'un club sportif afin de connaître leur âge. Voici leur réponse. Yani, Nadi, Riyadi, fi 35 tlmid, hein? سولناهم على الأعمار ديالهم وعطونا هاد النتائج، وهاد النتائج أنا حاولت نرتبها من اللي تعطاو لنا، ما عرفناش شكون اللي عنده، واش اللي عنده ثقل وكذا، ولكن عطاونا الأول عطاني 11، الثاني مثلا 14، والآخر وكذا، ولكن رتبناهم هكذا. هاد الترتيب سيت أوغدر سي تخي انتيريسون، سا فاسيليت أن بتي بو لو ترافاي. دونك فوالا، إليا 15 25 نومبر إيسي. Chaque nombre, c'est l'âge de la personne, d'une personne. L'ensemble de ces résultats forme une série statistique. Donc, c'est une liste ici. Vous avez une liste. C'est une série statistique. La population étudiée est l'ensemble des élèves du club sportif. Le caractère étudié est l'âge des élèves. Donc, notre exemple, cet exemple, ce caractère peut prendre cette valeur. Il a l'article de la liste, il a 7, 25 nombres, mais il me dit qu'il y a 11, 11, 13, 12, 14, 13, c'est 4 fois, etc. Donc, combien de nombres on a ici? 7 nombres. Le premier, c'est 11, le deuxième, c'est 12, le troisième, c'est 13, etc. Donc, 7 nombres, les kénihnes. Voilà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il n'y a pas d'autres nombres. Mais l'ensemble de la population, c'est 25 personnes. Donc, 25 nombres, les Kenyans, les Kenyans, les Kenyans. On va voir maintenant ce qui est coloré en vert. L'effectif. Qu'est-ce que ça veut dire l'effectif? Par exemple, à la valeur 11, il y a cette valeur. La valeur 11, combien de personnes a 11 ans? C'est combien? C'est 2. Donc, 2, c'est l'effectif pour la valeur 11. C'est l'effectif de la valeur 11. 12. Combien de 12 on a ici? C'est 4. Vous pouvez les compter. 1, 2, 3 et 4. Donc, etc. 13, c'est 4. 14, combien d'effectifs? C'est 6. 15, c'est 2. 16, pour la valeur 16, c'est 3. Pour la valeur 17, c'est 4. Tout ça, on peut le résumer, ce travail-là, dans un tableau qu'on appellera tableau des effectifs. Voilà. Tableau des effectifs. On a ici le caractère, l'âge. Voilà cette valeur, l'âge. Ici les effectifs. Ça veut dire que deux personnes ont 11 ans. Ou bien l'âge 11 ans. Chez deux personnes, l'âge 2 ans, 12 ans, chez 4 personnes, etc. Donc, si on calcule la somme de ces nombres-là, vous trouverez bien, c'est 25. Vous voyez, on peut le vérifier. 2 plus 4 plus 4, c'est 10. 16, 18, 21, 25. Donc, c'est bien ça. Maintenant, on va passer à la fréquence. La fréquence, c'est quoi?
C'est une fraction en divisant l'effectif de cette valeur par l'effectif total. L'effectif total, ça on a dit, c'est 25. L'effectif, ce sont des effectifs partiels. 2, 4, 4. L'ensemble de tous ces effectifs, ça donne l'effectif total, ce qui est 25. Donc, la fréquence, c'est 2. Par exemple, pour la valeur 11, sa fréquence, c'est 2. 2, c'est l'effectif, divisé par 25. Et ça donne, on peut le laisser la fréquence 2 sur 25. On peut donner la valeur décimale. On peut donner aussi, on peut la écrire sous forme d'un pourcentage. Donc, la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Si l'on prend l'exemple du paragraphe 1, d'accord, l'exemple de Khalil Anis, de l'effectif, la fréquence des élèves de les élèves âgés de 11 ans est 2 sur 25, ce qu'on a dit ici. Donc, 2 sur 25, on peut le laisser comme ça. On peut le calculer, écrire sous forme décimale. On peut aussi l'écrire sous forme de pourcentage. Parce que 0,08, c'est quoi? C'est 8 sur 100. 8 sur 100, c'est un pourcentage. C'est 8%. On a dit ça dans la leçon précédente. L'ensemble des fréquences de 7 peut être présenté dans un tableau. On peut représenter toutes les fréquences dans un tableau. C'est ça qu'on va faire. On a la fréquence ici, je reviens à ça. Donc la fréquence de l'âge de 12, c'est quoi? C'est 4, 4 divisé par 25. Ici, c'est 4 divisé par 25. Ici, c'est 6 divisé par 25. Ici, c'est 2 divisé par 25. Ici, c'est 3 divisé par 25. Et ça, c'est 4 divisé par 5, par 25. Donc, on va obtenir le tableau suivant. Donc, les fréquences, c'est ça, les calculs en pourcentage. Parfois, on demande les fréquences en pourcentage. Ça y est. Donc, on passe à la somme de ces nombres. Si on calcule la somme de ces nombres-là, des fréquences, ça donne 1. C'est normal. 2 sur 25 plus, ça, on va revenir à ça. 2 sur 25 plus 4 sur 25 plus 4 sur 25 plus 6 sur 25 plus 2 sur 25 plus 3 sur 25 plus 4 sur 25. Ces nombres-là ont tous le même dénominateur, c'est 25. Et de la somme des numérateurs, ce n'est rien d'autre que 25. Donc, c'est 25 sur 25 qui est égal à 1. Donc, 1, c'est l'ensemble de toutes ces fréquences. Ici, si on calcule les fréquences en pourcentage, leur somme, c'est 100%. La somme des fréquences est égale à 1 ou bien à 100%. Si on parle de ces fréquences-là, comme ça, c'est leur somme, c'est 1. Si on parle de fréquences en pourcentage, leur somme, c'est 100%. Ici, maintenant, on va passer à la partie très intéressante aussi, les diagrammes. Les diagrammes, il y a beaucoup de diagrammes, surtout comme juge des Huma Assassin, en bâton. Et donc circulaire. Fait la hissa, inshallah. Ou alors, on va ajouter le coup, un autre, hada, sous forme de courbe. Hada, mohim, kadalik, ou ma. Mais c'est très intéressant, on l'utilise beaucoup, surtout. Donc, ce diagramme,
Les diagrammes, qu'est-ce que ça veut dire? On représente toujours dans les diagrammes, n'importe quel diagramme, lorsqu'on parle des. On peut représenter sur l'axe des abscisses les caractères, les valeurs des caractères, 11, 12, toujours sur l'axe des abscisses, on représente les valeurs des caractères. Ça veut dire ici c'est l'âge, dans d'autres exemples ça dépend, et dans l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on représente? On peut représenter les effectifs, on peut représenter les fréquences, on peut représenter les pourcentages. Et c'est la même, tu auras la même, le même diagramme avec des échelles. Donc, ce qui est très facile à représenter, l'âge et les effectifs. Voilà. Voilà, donc, ça, c'est un diagramme en bâton. Ou bien, à barre. À barre. Donc, ça, c'est un diagramme en bâton. Donc, ici, là, les valeurs qu'on a dit de l'âge. Ici, les effectifs. Regardez bien. 11, la première valeur 11, l'altitude de ce rectangle, l'altitude de ce rectangle, c'est 2. 11, l'âge, nombre de personnes qui ont cet âge, c'est 2 personnes, donc la longueur, l'altitude de ce rectangle, c'est 2. 12. Combien de personnes? Il faut voir le tableau. C'est 4. Donc l'altitude de ces 4 ici. L'altitude de 13, de la valeur 13 ici, c'est 4 aussi, etc. Ici, attends, c'est un diagramme en bâton. On peut aussi faire ce diagramme-là, 11, c'est 2. On représente les points de coordonnées 12, 4, 13, 4, 14, 6, 15, 2, 16, 3, 17, 4. Puis on relie par des segments comme ça, hein, pour obtenir la courbe. Ici, c'est un diagramme en bâton. Ici, c'est une courbe. Hein. Si on le demande un jour, c'est ça. Donc, maintenant, avant, on a été comme un travail. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça avec un Excel. Bon, regardez bien. J'ai ici le tableau de Antcom, hein, tout l'Excel. Hein. De Canaan, ou sélectionner Tado, ou Atani, le diagramme, il y a ici, si vous voulez, les diagrammes à Roma, il y a tant de diagrammes ici, vous voyez, il y a un certain les diagrammes, il y a d'autres types, d'autres types, le voilà, il y a aussi des courbes, hein. Alors, ce sont des courbes hein, dans mon champ, il y a des histogrammes, surtout كاين عندكم اللي تهمكم هو داك هاد النوع هذا مثلا اكسيتيرا هادو شا ساكي جو في ريغاردي بيان هاد ليكزومبل جو بو سي سيت ان غير كتبت هذا هنا لان بون اون فوا اون فوا ان بو سي فو فولي كون لو شونج لو ميم ديغرام اون بو لو شونجي هان اوسي هان. Si je le change par exemple par celui-là, simplement il faut changer ce nom-là maintenant. C'est un diagramme en bâton. Donc on peut aussi le changer
كوم سا هذا راه غادي نشوفوه في الحصة اللاحقة إن شاء الله. هنا شوف هذا ما بغيناش نديرو لأن يعني فيه شوية بزاف ديال الخدمة. خصنا نكالكوليو دوك لي ميزور دي زونغل ici. Bon, on va le voir ici, c'est la plus grande partie, c'est celle-là. Vous voyez ici, là, pas presque, série 1.14, valeur 6. 0.14, ça veut dire l'âge 14, nombre de personnes, c'est 6, c'est la partie la plus grande de cette population. دونك سو طرافاي لا غادي نخليوه للمره اخرى ان شاء الله. راه نعطيكم شي تمارين اخرى ان شاء الله.